Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة والسلام. والصلاة والسلام. على رسول الله. رسول الله. اللهم. اللهم. لا علم لنا. إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alors aujourd'hui les enfants, on va raconter une histoire magnifique. L'histoire du prophète Sulayman alayhi salam avec le Hudhud. Le Hud. 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 Alors le Hudhud, en français on dit la huppe. Regardez comment il est cet oiseau. Oh, il est trop beau. La huppe. C'était écrit. Et c'est un oiseau qui existe. C'est un oiseau qui a un bec fin. Et long. Cet oiseau magnifique, Allah Azza wa Jal a parlé de lui dans le Coran. Car Allah Azza wa Jal, il nous a expliqué que grâce à cet oiseau, bien sûr, grâce à Allah, et cet oiseau a été la cause que tout un peuple rentre dans l'islam. Tout un peuple, c'était un peuple qui n'adorait pas Allah. C'était un peuple qui n'adorait pas Allah. C'était un peuple qui adorait le soleil. Est-ce qu'on a le droit d'adorer le soleil? Non. Est-ce qu'on a le droit de faire la prière pour le soleil? Non. Eh bien, ce peuple, ils adoraient le soleil. Et ce peuple, il s'appelait le peuple de Saba. Le peuple de Saba. Le peuple de Saba. Le peuple de Saba. Et on avait expliqué que le prophète Sulayman, alayhi salam, c'était un roi. Et également, Allah Azza wa Jal, il lui a donné le pouvoir de pouvoir commander les djinns, le vent et les animaux. Et le prophète Sulayman alayhi salam, il avait une armée. Et dans son armée, il avait un animal qui était toujours avec lui. C'était le Hud. Le Hud. 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 C'était le Hudhud. Et le Hudhud, il a une particularité, c'est que lorsque l'armée se déplace, le Hudhud, lui, il peut savoir avec son long bec, il peut savoir où se trouve l'eau. Et Sulayman alayhi salam, c'était un roi qui était puissant, c'était un roi qui était gentil, c'était un roi qui était bon, et c'était un roi qui était très juste. Et un jour, le Hudhud, il volait au-dessus des champs. Allez, on vole comme le Hudhud. Allez. Et plus haut là, vous êtes tout en bas. Allez, allez, on monte, on monte. Heya, 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 natir, natir. Et le Hudhud continue à voler pendant que je parle. Le Hudhud, Abdelrahman, tu voles pas là. T'es pas un Hudhud là, je suis pas d'accord. Vole. Monsieur Atalbi. Ah ben, purée, si tu voles comme ça, tu vas tomber. Hein. Le Hudhud, tu voles bien, Elias, tu voles trop bien. Toi aussi, Samy. Le Hudhud, un jour, il était en train de voler. Regardez tout en bas, vite. Regardez. Il a aperçu un grand château et un palais. Vous le voyez, le palais? Oui. Il est beau ou il est pas beau? Il est beau. Il est très très beau. Et dans ce palais, il avait des rivières.
et il avait des champs, il avait des jardins, il avait un royaume. Et c'était la ville de Saba. Et c'était le peuple de Saba. Vous pouvez vous asseoir pour arrêter de voler. Et il a vu que dans ce royaume, il n'avait pas de roi. Mais il avait une reine. Et la reine, c'était elle qui gérait le royaume, qui gérait la ville. Et cette reine, elle s'appelait Belqis. Et Belqis, elle avait beaucoup de gens qui la conseillaient, beaucoup de gens qui l'aidaient. Et elle avait également une grande armée avec de nombreux gens qui travaillaient pour elle. Mais le Hodhod, lorsqu'il regardait ce merveilleux palais et cette ville et cette cité, il a été très surpris. Il a été très étonné que les habitants de cette cité n'adoraient pas Allah. Mais les habitants de cette cité, ils adoraient le soleil. Et le Hodhod, il a été choqué. Parce que le Hodhod, il sait qu'on doit adorer que Allah. On doit faire la prière que pour Allah. On doit faire le Ramadan que pour Allah. On doit faire le Hajj que pour Allah. On doit croire en Allah. Et on ne doit pas adorer autre que Allah. Et il a dit, je vais aller tout de suite voir le prophète Suleyman alayhi salam. Et pendant ce temps-là, le prophète Suleyman alayhi salam, il a mis en revue son armée. Il a vu son armée et il a vu que le Hodhod, il n'était pas là. Et Suleyman, il a dit, qui a dit au Hodhod de s'absenter? Pourquoi il s'est absenté sans ma permission? Et il a dit, Suleyman, j'espère qu'il a une bonne excuse. Sinon, je le punirai sévèrement. Suleyman, laisse-la dormir, c'est pas grave. Suleyman, il a dit que si le Hodhod... Elle dort? Oui, elle dort. Attends. Nada, ça va? T'es juste fatigué? T'es pas malade? Vas-y, continue. C'est pas grave, tu peux fermer tes yeux. Chut, c'est pas grave, elle est fatiguée. Chut. Et il a dit, si le Hodhod s'est absenté sans raison valable, je le punirai très fortement. À moins qu'il ait une bonne excuse et à moins qu'il ait une information à me donner. Est-ce que le Hodhod va être puni? Est-ce que Suleyman alayhi salam, il va punir le Hodhod? Non. Eh ben nous terminerons. Non, il nous reste du temps, on va terminer maintenant. Ouais. Vous avez eu peur, hein? Et là, le Hodhod est arrivé. Et il a dit à Suleyman, voilà pourquoi j'étais absent. Ô prophète Suleyman, je viens du royaume de Saba. Et j'ai une chose importante à te dire. Ils n'ont pas un roi, mais ils ont une reine. Et ils ne font pas la prière pour Allah, mais ils font la prière pour le soleil. Alors Suleyman alayhi salam, il a écrit une lettre. Et il a commencé cette lettre par Bismillahirrahmanirrahim. Et il a écrit à la reine Belqis afin de lui dire de ne pas adorer le soleil, mais de lui dire d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. La huppe, elle a volé. Elle est volée. Et elle est arrivée au palais. Elle est arrivée au palais de la reine de Belqis. Et elle a été voir la reine. Et elle lui a remis la lettre que Suleyman alayhi salam lui a écrite. Et lorsqu'elle a lu, elle a lu Bismillahirrahmanirrahim. Je suis Suleyman,
Nabiullah, le prophète d'Allah, ne fais pas preuve d'arrogance et viens à moi en te soumettant à Allah. Vous pouvez arrêter de voler, vous pouvez vous asseoir. Il lui a dit, c'est moi, Suleyman. Arrête d'adorer le soleil, mais adore Allah. Et Belkis, elle a dit, mais c'est qui Allah? C'est qui Allah que Suleyman me parle? Et est-ce que mon peuple s'est trompé? Et elle est partie se coucher avec plein de questions. Et le lendemain, elle est partie voir son peuple, ses conseillers, pour leur demander. Elle a été voir ses conseillers et elle leur a dit que le prophète Suleyman l'a invité à l'islam. Mais eux, elle a dit, ils lui ont dit, décide toi-même et nous te ferons confiance. Qu'est-ce qu'elle a dit la reine? Elle a dit alors, peut-être que le prophète Suleyman y a besoin de cadeaux. Elle a dit, je vais lui donner des cadeaux. Elle a dit, si il accepte les cadeaux, eh bien en fait, ce n'est pas un vrai prophète. C'est quelqu'un qui veut juste mon royaume. Mais s'il n'accepte pas les cadeaux, eh bien là, je sais que c'est un prophète et qu'il ne recherche rien à part la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et elle a envoyé des émissaires avec des cadeaux. Mais Suleyman alayhi salam a refusé tous les cadeaux. Et il a dit à ses messagers, retournez autour d'elle et dites-lui qu'Allah m'a donné bien plus que ce qu'elle a, cette reine. Alors Belkis, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, je vais moi-même aller rencontrer Suleyman. Et lorsque Suleyman alayhi salam, c'est pas grave, qui a un mouchoir pour Maria? Donne-lui, elle va te donner un mouchoir, tu mets sur ton doigt. Lorsque Suleyman alayhi salam a appris que Belkis allait arriver, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je vais montrer la force d'Allah à cette reine. Elle a laissé son trône, elle a laissé son palais, et il a dit, il y a quelqu'un qui va me le ramener avant qu'elle arrive. Et là, il y avait un ifrit, un djinn qui avait de forts pouvoirs. Il a dit, moi je vais te ramener son palais avant que tu clignes de l'œil. Et là, Suleyman alayhi salam a choisi une personne qui allait lui ramener le palais parce qu'il avait une science qui provenait d'Allah. Et Suleyman alayhi salam, il a fait venir le palais de Belkis. Son trône qui était dans la salle, il l'a fait venir dans le palais de Suleyman. Et lorsque Belkis, elle est venue dans le palais de Suleyman, elle a vu un immense palais. Et le sol de ce palais était en cristal, transparent, magnifique. Et la Belkis, elle l'a jamais vu. Elle l'a jamais vu. Un palais aussi beau que cela. Et lorsqu'on lui dit, voici ton trône, quand elle a vu le trône, elle a dit, mais on dirait mon palais, on dirait mon trône. Et là, Suleyman alayhi salam lui a expliqué que c'était son trône qui arrivait avant elle. Là, elle a vu que Suleyman, il adorait Allah et qu'il fallait adorer Allah. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est tombée à genoux. Et elle a dit « La ilaha illallah » et elle a cru en Allah. Et Belkis, elle est devenue musulmane et elle a cru en Allah Azza wa Jal. Et Belkis, elle a arrêté d'adorer le soleil et tout son peuple ont arrêté d'adorer le soleil et ils sont devenus musulmans. Et ensuite, Belkis, elle s'est mariée avec Suleyman alayhi salam et le Hudhud. Il regardait tout cela. Est-ce que vous aimez Suleyman alayhi salam? Oui. Est-ce que vous aimez le Hudhud? Oui. Est-ce que vous aimez Belkis? Oui. Est-ce que vous aimez le peuple de Saba? Oui.
Est-ce que vous adorez Allah? Oui. Est-ce que vous adorez le soleil? Non. La ilaha illallah. Wahda. La sharika la. Lahu al-mulku. Wa lahu al-hamdu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.